2023, l'année de l'élargissement. Juin est le mois de la reconnaissance. Comment rendrai-je au Seigneur tout le bien qu'il m'a fait? Psaume 116, verset 12. Bien-aimés, prions ensemble. Père éternel, en juin, je ne crains ni les terreurs de la nuit, ni aucune inflation, car tu es mon refuge et ma forteresse. Si des méchants s'avancent contre moi, ce sont eux qui chancellent et qui tombent, au nom de Jésus. Je m'élève en autorité contre toute parole négative prononcée contre ma vie, ma famille, mes finances ou mon ministère, au nom de Jésus. Par la puissance du sang de Jésus-Christ, je sécurise mes biens spirituels et mes possessions terrestres au nom de Jésus. Non, je ne mourrai pas. Je vivrai et je proclamerai les merveilles du Seigneur. Seigneur, en juin, mes lèvres célèbrent tes louanges, car ta bonté vaut mieux que la vie. Je refuse de m'installer dans les lamentations ou dans l'inquiétude. Je décide de louer le Seigneur en toutes circonstances. J'ordonne à mon âme de bénir le Seigneur tout au long de ce mois, au nom de Jésus. La joie du Seigneur est mon partage et ma coupe est débordante. Le Seigneur se souvient de toutes mes prières et m'accorde sa miséricorde, au nom de Jésus. Je moissonne même là où je n'ai pas semé, au nom de Jésus. Je bénis le Seigneur pour mes parents biologiques, qu'ils soient honorés dans tous leurs enfants. Je bénis le Seigneur pour mes responsables spirituels, qu'ils soient renouvelés dans l'onction du Saint-Esprit. Je bénis le Seigneur pour ma famille, que Dieu les inonde de son amour. Je bénis le Seigneur pour tous ceux qui sont rattachés à moi par des liens saints. Dieu exauce toutes leurs prières sans délai, au nom de Jésus. Parce que le Seigneur est mon berger, la grâce et le bonheur m'accompagnent tous les jours de ma vie, au nom de Jésus. Dieu a béni mon monde.